Paris, ça s'arrange pas. Après, si c'est du Balkanian, on ne va pas pouvoir déclarer sa ville en ruine. C'est 10 ans, on entend souvent retasser que Hervé Mittel et Alain Soral vont aller en prison également. En France, c'est pas comme aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis, c'est le pouvoir de la mort. En France, c'est le pouvoir de l'angoisse. C'est pas trop quand est-ce qu'on va t'enfermer. Voilà. Alors peut-être que les lobbies attendent plus de dictatures en place pour les enfermer réellement. En tout cas, Hervé et Alain ne baissent pas les bras. Ils seraient même fiers d'aller en prison pour bien prouver la haine, la nuisance de ce pouvoir en place. Le tout, c'est de s'occuper. Salut à tous, je ne peux pas encore donner de date, donc le lobby a décidé de me mettre en tôle. En imaginant que ça arrive, je vais avoir le temps de m'occuper. Alors là, j'ai trouvé un jeu pas mal nommé Days Gone, les jours passés. Il devrait appeler ça Years Gone, les années passées, ça fait plus de 70 ans maintenant. Alors vous observez bien qu'ils sortent d'un wagon de train pour entrer dans un autre. Ça, c'est le ni pardon ni oubli. Les heures les plus sombres sont devenues un peu plus claires aujourd'hui. Je vais leur balancer du lourd que j'ai écrit, les milliards d'Israël et histoire de l'antisémitisme. Hop. Ah, ils sont pas contents, hein. Ils racontent toujours que c'est moi qui ai la haine, là ça se voit très bien. Sûrement parce que je suis écrivain et rien d'autre. Bon, je vais les calmer maintenant. Salut Bernard, ça gaze ? Toujours les mêmes, hein. Aïe, 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 ils ont rameuté tout le monde, là, les féministes, le LGBT. Boum ! Il a bien cartonné, celui-là aussi. Je trouve que pour une minorité, ça fait beaucoup, hein, surtout contre le seul nazi que je suis. Je les trouve particulièrement en bonne santé pour des affamés depuis plusieurs mois. Ah, ils sont coriaces, hein. Le stage 2, ce sera les oublis. Bon, je vais m'éclipser pour la soirée. Là, je vais pouvoir monter sur le Mirador. Là, je leur fais un tatouage électronique à distance. Là, ils sont un peu loin. On va trouver de quoi les attirer. Hop, un petit lingot d'or. Regardez-les, c'est plus fort qu'eux, ça, hein. Bon, qu'est-ce que je vais leur balancer comme lecture ? Psychanalyse du judaïsme, très bon ça, ça va avec le contexte. Hop, bonne lecture. À ce qui paraît, un certain Jésus a dit, si tu sers Mammon, tu brûleras en enfer. Eh ben voilà. Nous sommes le lendemain matin. Ah bah, ils me cherchent, visiblement. Bon, faut que je me cache. Ah. Ruth Elkrief m'a repéré, elle veut à tout prix m'interviewer, mais je décline gentiment son invitation. Oh merde! Ah bah je sais pas d'où ils sortent ceux-là, toujours des surprises avec eux. Mais bon, ils ont le droit parce qu'ils sont... et rien d'autre. Bon, c'est pas grave les amis, de toute façon, ils vont pas m'enfermer à perpète pour ça, enfin je l'espère. À moins que je change de jeu, il y en a d'autres dans le même genre, plus facile, ça se passe à la Mecque. Pour l'instant, je suis toujours là et le combat continue. Je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt.